Économie et gouvernance, les femmes en parlent. C'est le thème de l'atelier organisé par Kaizen. Pour cette première édition visant à aborder des thématiques en faveur de la croissance économique des femmes, plusieurs panélistes sont intervenus. L'activité a été présidée par Moussa Sanogo, ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Naturellement, ce mécanisme conduira à ce qu'on ait davantage de femmes dans les plus hauts postes de responsabilité. Et ça a été indiqué tout le long de nos échanges, là où on a eu des femmes, les résultats ont été positifs. Donc la société gagnerait à ce qu'on puisse poursuivre cela. Il a mis un accent particulier sur les actions menées par l'État pour l'inclusion des femmes dans le système de gouvernance. Cet atelier avait pour objectif de faire ressortir des solutions pratiques et tangibles à l'insertion professionnelle des femmes. Nous avons, avec le ministre, discuté d'un partage de rapports à la suite de cet événement. Et à la suite de celui-ci, nous aurons également une action communautaire pour pouvoir joindre l'acte à la parole. Et espérons que ces recommandations qui vont vous partager seront sur la table de notre chef d'État afin qu'on puisse accroître l'inclusivité aux instances politiques, aux instances économiques et surtout accroître la participation des femmes. La société Kaizen a été fondée en 2015 et est spécialisée dans le renforcement de capacités, le coaching, l'organisation de conférences institutionnelles et l'accompagnement aux PME. Elle accorde une place importante au capital humain, à l'accompagnement des TPE-PME, à l'autonomisation de la femme et est un catalyseur de performance au service des entreprises.